Bismillah. Camélia porte la main à sa bouche, comme pour s'empêcher de dire cette vérité. Amri, raconte-moi tout. Je ne peux rien te dire. Il portait une cagoule. Je n'ai rien vu, dit-elle. Tu ne crois tout de même pas que je te mens? Où est la vérité? Crois-tu que je me sois blessé intentionnellement? Non, non. Mais depuis quand me mens-tu? Camélia devient livide. Elle a envie de lui dire qu'elle ne lui ment pas, mais que si elle omet de lui décrire son agresseur, c'est pour qu'il ne fasse pas le rapprochement entre lui et son cousin. Elle les voit déjà s'entretuer pour elle. Elle sent qu'Idir voudra se venger. Si cela doit se terminer dans un bain de sang, elle préfère taire la vérité. Elle ne se doute même pas qu'il connaît l'identité de son agresseur. Il lui donne l'ordonnance et les mots s'étranglent dans sa gorge. Camélia ne sent plus son cœur pendant quelques secondes. Il lui semble que le temps se soit arrêté. « Non, je préfère ne rien entendre, » dit-il en se levant. « Surtout quand c'est pour entendre des mensonges. Je sais qui est venu. Il était trop pressé de te prendre de force pour remarquer que des papiers lui sont tombés. Tu sais de qui il s'agit. Et pour des raisons que je ne m'explique pas, tu voulais en faire un secret. J'ai honte. Je me sens sale et repoussante. J'ai horreur de moi. Si tu décides qu'on se sépare, je l'accepterai. Si je me fais horreur, même toi, tu ne me supporteras plus. Et dire, si je ne t'ai rien dit, c'est parce que j'ai peur pour toi. Je supporterai qu'on se sépare, mais pas qu'il t'arrive malheur. Il n'aurait jamais dû s'en prendre à toi. Il est obsédé par toi et je ne le comprends que maintenant. Je croyais le connaître. Il a osé te toucher. Jamais je ne le lui pardonnerai. Il va le payer très cher. Sinon il va recommencer. Il doit savoir que je ne suis pas faible et que je sais défendre mon honneur. Car s'il tente une nouvelle fois de t'approcher, je suis capable de le tuer. Tu as vu? Il est malade, il est fou. Peut-être c'est ce qu'il veut. Il attend que tu ailles te venger pour s'en prendre à toi. Je t'en prie, ne cherche pas à l'affronter. Il est question d'honneur, Camélia. Rien ne m'arrêtera. Je vais l'appeler et fixer rendez-vous quelque part. Aujourd'hui, ce sera son jour, le mien. Il va à son bureau, prend de l'argent, ses papiers. Camélia le suit et le prie de rester, mais il est sourd. Si je ne reviens pas, tu sais ce que tu as à faire. Camélia tente de le retenir, mais il la repousse doucement. Il part sans se retourner. Même si elle n'a pas pu le retenir, elle refuse d'assister à sa mort ou à son arrestation. Car s'il a le dessus, elle finira en prison. Il ne le mérite pas. Elle a aussi peur de le perdre si Toufir le tue. Elle décroche le téléphone et compose le numéro de ses parents pour leur demander de l'aide.